Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence ma journée par un petit entretien de la maison avant de prendre tranquillement mon petit déjeuner et de passer en cuisine. Nous voilà en cuisine. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la frangipane. Pour la recette, nous avons besoin de 4 œufs, de sucre vanille, de sucre blanc, 2 cercles de pâte feuilletée, de la poudre d'amande, de beurre et bien entendu le sujet. En mélangeant le beurre, le sucre blanc et le sucre vanille jusqu'à obtenir une matière crémeuse. Attention mes amis, cette étape elle est très importante pour la recette. Il faut bien mélanger le sucre et le beurre ensemble. Ensuite, on ajoute au mélange les 2 œufs en gardant 2 jaunes d'œufs à côté. Après avoir battu l'ensemble, on ajoute la poudre d'amande. On dispose un premier cercle de pâte feuilletée dans notre moule. On dépose maintenant notre crème d'amande dans laquelle on a ciré le sujet.
On recouvre avec notre deuxième cercle de pâte feuilletée. Ensuite, on badigeonne le dessus avec le jaune d'œuf pour un aspect doré après cuisson. Je mets ma galette dans le four à 180 degrés pendant 20 minutes. Voilà mes amis, notre galette elle est prête, elle est magnifique. J'espère que vous avez aimé ma façon de les préparer. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis et la famille. Si vous voulez me contacter sur Instagram ou Facebook, c'est Cuisimalia. Je vous souhaite une agréable journée et j'espère vous retrouver lors de ma prochaine recette.